Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est pour vous montrer en fait la box de janvier que j'ai reçue de Look Fantastic. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo et que peut-être ça vous donnera envie de vous abonner à cette box. En tout cas, j'ai été super contente des produits que j'ai reçus ce mois-ci aussi, donc c'est pour ça que je vous en fais la vidéo. Donc j'ai reçu le petit catalogue comme le mois dernier avec, c'est le catalogue en fait avec les produits que j'ai reçus et à quoi ils servent et comment on l'utilise. Voilà, c'est avec les produits que j'ai reçus tout ça. Il y a toujours des petites astuces, j'ai vu que ce mois-ci c'était plus les portées sur le healthy, donc les trucs sains, donc il y a des recettes saines, des choses... des recettes saines, de ce qu'il faudrait faire tous les jours, enfin voilà, en sport, tout ça. Donc c'était plus porté ouais, sur tout ce qui est santé, tout ça. Le magazine Elle de janvier, comme le mois dernier, j'ai reçu celui de décembre du coup. Toujours en anglais par contre, ouais, j'ai oublié de vous le redire, mais du coup, pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, les catalogues et tout, c'est en anglais puisque le site Look Fantastic c'est anglais. Donc du coup voilà, on n'a pas les trucs en français. Passons à la box, donc je l'ai reçue, elle est mignonne. Elle est comme ça. Donc c'est pareil, elle se présente toujours avec le petit papier et le petit autocollant. Premier produit, donc c'est un mascara. Alors je ne connais pas, mais en tout cas il a une forme spéciale. Donc voilà. Mais bon, ça, alors c'est un mascara Jelly Pong Pong et c'est Fairy Lashes Curl. Et donc c'est un mascara qui recourbe et ouais, les cils et allonge. Je ne l'ai pas encore essayé, du coup je l'ai juste vu. Donc je l'essayerai puis je vous dirai sur Instagram ce que j'en ai pensé. Deuxième produit, c'est un soin pour les cheveux à rincer. C'est un soin pour cheveux à rincer. Mais c'est pour après le shampoing, parce que le mois dernier j'ai reçu en fait un soin qui se faisait avant le shampoing. Voilà, donc là c'est un truc après le shampoing. Il n'y a pas de sulfate, pas de silicone et pas de parabène. Donc c'est pareil, ça a l'air que c'est respectueux. Donc voilà, j'ai hâte de l'essayer. J'ai reçu également un produit Nuxe. C'est une lotion tonique douce, apaise, rafraîchit et parfait le démaquillage, appliqué à l'aide d'un coton idéal après le lait démaquillant confort Nuxe. Forcément, ils essayent qu'on achète le premier, le démaquillant Nuxe. J'espère que je ne serai pas déçue, je ne l'ai jamais essayé celui-là. Quatrième produit, c'est un gel pour les sourcils et c'est de la marque Pixie. Alors c'est Pixie by Petra, mais c'est la marque Pixie Beauty. Donc ça par contre c'est un truc que je voulais depuis longtemps, mais à chaque fois j'oubliais en fait quand j'étais dans un magasin ou que je faisais une commande d'en acheter un. Et donc là c'était vraiment idéal, comme ça je vais pouvoir tester et voir ce que ça donne. Donc je suis assez contente, voilà. Ah, cinquième chose que j'ai reçue, c'est un enluminateur liquide, pardon j'arrive plus. Et c'est de la marque Trifle Cosmetics. Enfin, trifle, je sais pas comment on dit. Voilà, à vous de juger. Et en fait, alors ça, c'est la première fois que... Enfin, j'adore les enluminateurs, j'en mets tout le temps. Mais j'ai jamais essayé un enluminateur liquide. Donc clairement, ce sera la première fois. Donc j'espère que je serai pas déçue. Je vais voir ce que ça donne comme couleur. Clairement, on dirait du gloss. Assez rose. Donc ça fait comme ça. Hop. Donc c'est assez foncé. J'espère qu'on l'essuie. En fait, une fois qu'on l'a, ça fait pas du tout. Ça fait plus du tout rose comme ça faisait au départ. Donc c'est plutôt rassurant parce que je voulais pas ressembler à une. Une fleur toute fleurie, je sais pas. Donc voilà, donc j'espère, je serai, c'est pareil, je vous donnerai de toute façon tout ce que j'en pense sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, c'est Naïcie des beautés, comme la chaîne en fait.
dixième chose que j'ai reçue et qui m'a fait trop plaisir en fait, parce que ben en plus la mienne commençait à rendre l'âme. Donc là, et ben en fait c'est une pince à épiler de The Vintage Cosmetic Company. J'adore cette marque. Elle fait, je sais, des sèche-cheveux de voyage trop beaux. Et j'ai jamais eu en fait de produit de cette marque. Et donc là j'ai eu la pince à épiler. En plus elle est rose gold. Donc trop canon. J'aime trop ça en ce moment. Je sais pas si vous voyez derrière, mon plateau est de cette couleur. J'ai acheté plein de trucs de ce style, une pendule et tout, enfin j'ai acheté plein de trucs, j'aime trop. Et donc là, c'est tout simple, c'est une pince à épiler, mais c'est tellement utile, voilà. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé les produits et ce que vous en pensez. Je vous fais de gros gros bisous, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de partager, liker, mettre un petit pouce sur ma vidéo, de partager et de vous abonner à ma chaîne surtout. Je vous fais de très très gros bisous, à très vite.